This is Big Car Show Baby 2023. C'est le mec qui croit que c'est un événement américain. Is that a Supra? Tu me gênes. Ouais, let's go. Yes. Ouais. Combien sur 10? Je sais pas, 2. Okay. Là les frères, j'ai trouvé la plus belle voiture de l'événement. Je vous la montre pas tout de suite. Takuma, tu vas me suivre. C'est une masterclass. J'ai jamais vu ça. Regardez-moi ça. 206 jantes Michelin. Bon les gars, là comme vous avez vu, on n'a pas grand chose à filmer parce qu'il y a beaucoup de tuning. Moi personnellement, c'est pas mon délire. Donc on va vous filmer 2-3 pépites, mais là surtout aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est s'amuser. On va aller voir les gens, on va leur poser des questions. Bref, ça va être bien marrant quoi. Je pense, en tout cas. Bonjour monsieur. C'est pour un média. Regarde. T'es moi frère. C'est pas le rêve ça? Des feux teintés. Regarde-moi la qualité de ce wrap. Je sais pas si ça doit être sûrement un professionnel qui l'a fait, mais tu peux voir un wrap qui a été fait sur mesure. Tu vois, avec un petit effet, on appelle ça l'effet Fast and Furious Tokyo Drift. Tu vois, tu te rappelles la Touran là? Tu te rappelles la Touran avec le point? C'est ça en fait, c'est ici, tu vois. Masterclass. T'as une voiture préférée sur l'event? Plusieurs. Ouais. Mais après la Supra, c'est normal, c'est une Supra. Supra, ouais. Il y en a pas mal des Supra. Ouais. Is that a Supra? T'as la ref ou pas? Bien sûr. Is that a Supra? Tu sais la vidéo là? Is that a... Quand tu fais ça là? Is that a Supra? Bah oui, je l'ai. Tu connais? Bah oui. La ref? Bah oui. Moi aussi. Nickel. Yes. Déjà, félicitations. Quelle voiture? 206. 206, c'est quoi le moteur? 1,4 litre. Ça pousse ça? Ouais. Ça pousse quand même? Ça envoie. Ah, un peu. Ça envoie un peu. Hein. Est-ce que vous allez rouler ou pas? Non. Non. Non, ah, tu n'as pas la route là pour moi. Ah, tu n'as pas la route? Trop souple du cul. Ah ouais? Ouais. Bizarre. Que j'ai là-haut. Mm-hmm. Avec la sortie de peau sur le capot. Ah ouais? Ah, j'ai pas vu celle-là. Faudrait que j'aille voir. Ouais. Stylé. Une belle prépa. Et tu penses quoi du vol en France? Ça fait combien de temps vous l'avez? Presque un an. Ah ouais? Ah, c'est un vrai projet car quoi. Ouais. Et vous avez fait quoi un peu dessus? Covering, là, bah, pour le moment, suppression de silencieux, mais après, je vais essayer de mettre une ligne. Ah, elle doit chanter, hein? Un peu, ouais. Sale. Aucun rapport. C'est une interview? Bah, bon. T'en penses quoi? T'es contre? Tu me mets mal, là. Ça veut dire t'es contre? Tu me gênes. Ça veut dire t'es pas pour? Ça veut dire tu me gênes, là. Ça veut dire que ça te gêne le voile? Tu déformes d'où là gros? Tu veux dire que ça déforme les femmes le voile? C'est très joli. C'est quoi le détail préféré de cette voiture pour vous? Pour moi? Bah du coup le béquet quoi, ça fait vraiment le mode sport. Le béquet ça fait vraiment tout? On va zoomer un peu sur le béquet. Il est farteinté, voilà, pour le moment il est pas fini mais... Ah ouais? Les logos noirs aussi je trouve que ça donne le côté sport. Mais... Et moi j'aime beaucoup ce côté sport. T'as comment si tu peux voir ici là, tu vois? On dirait un peu la 206 RC non? Ouais. C'est ça, hein. C'était ça l'inspiration, ah, c'était voilà. La 206 RC. C'est ça, j'avais compris la 206 RC. RC. Vous voulez voir comment on ambiance une foule? Vous allez voir, attendez qu'il finisse. Il fait chaud. Après, tu vas voir. Tout le monde, tu vas voir. Observe et apprends. Ouais! Let's go! Ouais! Let's go! Ouais! Apprenez-moi! Mes frères, on enchaîne des masterclass sur masterclass. J'ai beau tourner la tête, il y a que des pépites. Regarde. Renault Mégane coupé. C'est peut-être la deuxième fois que j'en vois une dans ma life. En plus, ici, là, on a le jaune Dakar. Le même que vous pouvez trouver sur la M3 46 qui a été volé par la couleur a été volée par BMW hein. Ça c'est une couleur origine Renault hein. Pas mal, il a laissé les petits atouts chrome ici. Petite masterclass. Et moi ce que je kiffe, les jantes aftermarket, après le marché tu vois. C'est super marché là. Non mais les gars c'est que de l'amour. Tant que moi vous kiffez votre voiture c'est le principal. Mais il faut accepter qu'elle est pas au goût de tout le monde. Et c'est pour ça qu'elle a votre goût. Parce que s'il y a quelque chose qui est au goût de tout le monde, il est au goût de personne. Tu vois ce que je veux dire? Retiens ça. Sofiane, Sovlog 2023. Faut les éduquer les gens. Regarde, ça par exemple. Ça pue sa mère. Faut que tu répondes très vite. Ok. Ok, t'es prêt? Ouais. Ok, la Boiserie ou Villebrequin? La Boiserie. Le Mans ou Spa? Le Mans. Faut que tu répondes vite hein. Eh hey les mecs, on enchaîne dinguerie sur dinguerie encore une fois. Là on part tout de suite sur une grosse prépa. Regarde-moi ça.
grosse 206, mais vous avez pas vu le mieux. Vous avez pas vu le mieux. Déjà, regarde la face avant, tu vois. Le fait d'avoir lissé ici, tu vois, avec une petite déco personnalisée éclat de peinture masterclass, tu vois, t'enchaînes sur une prise d'air hasardeuse, c'est masterclass, tu vois. Là-dessus, là, jamais le moteur il surchauffe, jamais. Là, t'es au froid, t'es bien là. T'as une idée de dilemme? Et là, attends, bouge pas. T'es prêt ou pas? Check-moi ça, mon seigneur. Si tu colles pas la route, je comprends pas ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? C'est fait pour ça. Regarde. Comme mon avenir, ça remonte. Tu vois ce que je veux dire, ça? Oui. T'as capté le délire? Vas-y, au père, fais l'interview. Tu m'interviews. J'interview? Ouais, vas-y. Française ou allemande? Allemande. C'est pas facile à trouver les dilemmes. Hein. C'est vrai. 6 sorties d'échappement. Ok. Pour encore plus faire échapper. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme mon chien en 2014. J'avais laissé la grille ouverte, il s'est barré, tu vois. Gros. Putain. Il est sponsor Free Gun, le bâtard. Il est sponsor Free Gun, gros. Là, les frères, on est sur une masterclass. Le rêve de toute une génération. Déjà, t'as une GTR, c'est bien. Mais t'as une... Fils de pute, y'a trop de monde. Je voulais faire une révélation. Avoir une GTR, c'est bien. Attends, y'a trop de monde encore. Alors là, on est devant ta voiture préférée. Ouais. Une Ford Mustang, c'est beau ça quand même. C'est quoi que tu préfères dans ce modèle? Le moteur déjà. Le moteur, c'est très important, ça pousse. Ça pousse fort. Et ça, c'est cool. Et tu penses quoi de la loi immigration? Alors là, loi immigration, bon, je sais pas, je connais pas, je me suis pas intéressé sur le sujet. Donc. Et c'est quoi ta partie préférée sur la voiture? Le moteur encore, hein. Parce que plus la carrosserie, je préfère l'ancien modèle. Mais moteur, c'est plus puissant maintenant. Parce qu'avoir une GTR, c'est bien. Mais une GTR Fast and Furious 2. Il y a Ludacris qui t'appelle. Ouais, j'ai une course, faut que je gagne 50 000 $. Avec plaisir, moi j'y vais. Là, tu vois, je la démarre, ça fait ronce. Tu vois le délire? C'est le rêve de tout le monde, ça. Tu vois, particulièrement avec cette déco. Moi, j'aurais peut-être pas mis les jantes noires, mais c'est une masterclass. Masterclass. Big M, big master. Moi, les frères, je te jure que ça, je le roule banal. Banal. Moi, j'aime trop Fast and Furious. Moi, mon mot de passe quand j'étais petit, c'était Paul Walker. Ok? REP. Repose en paix, Paul Walker. Non, mais parce qu'il faut le dire, ça. Paul Walker, frère. Pourquoi t'as pris cette carrière à GT, gros? Coupe, frère. Coupe. Putain. Mais donc, du coup, la loi immigration dans tout ça? J'ai toujours pas réfléchi sur le sujet, donc je vais pas te donner de réponse détaillée. Tu veux réfléchir un peu? Ouais, carrément. Vas-y. L'immigration. Tu connais, toi? Venu au Big Car Show, c'était pour les voitures, les rencontres, les partages, mais aussi pour la course. La soif de rouler sur ce circuit mythique qui a connu les plus grands. Jackie X, Steve McQueen, Soso Maness, Ken Miles, bref, que des noms de légende. Ayant été obligé de décliner l'invitation au GP Explorer de Squeezie pour des raisons personnelles... Mais attends, je recommence, ok. Ayant été obligé de décliner l'invitation au GP Explorer pour des raisons personnelles, j'avais ce sentiment de non accompli. Alors, avec mon frère Takuma, nous y sommes retournés pour montrer à tous de quel bois je me chauffe. Ok là les frères, regardez où on est. On est juste à côté de la piste parce qu'en fait on peut pas encore rouler. Mais là on peut faire quoi? On peut attendre, voir de plus proche si tu veux les voitures. Je dis que de la merde parce qu'en fait j'ai pas le droit d'être là vu que j'ai pas de chasuble. Donc je fais genre d'être super intéressé parce que je vois les commissaires de course qui me regardent. Donc si vous me voyez parler, c'est totalement normal. Attention là! Qui siffle? Les regarde pas. Les regarde pas. Oh là là, regarde. Les frères, je veux une performance dans ma life. Putain.
putain. Tu fais la musique de l'after movie. Coucou, 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 co